donne de bonne année à notre cher président, à nos parents et amis, à tous ceux qui nous soutiennent. Famille, tous nos voeux, nous souhaitons de bonne année à notre cher président, à nos parents et amis, à tous ceux qui nous sont chers. Merci. Bonne arrivée. Ah ouais, c'est ça même. Ah, vraiment. C'est fatigant. Un nom du bien, merci beaucoup. Le bien que l'on fait, le ciel le rend. Le bien que l'on garde, la terre le prend. On ne donne jamais rien sans l'avoir reçu. Et tout ce que l'on garde est perdu. Mesdames, Messieurs, c'est avec cette citation du Saint-Pape Jean-Paul II que je vous dis heureuse année, meilleurs voeux, santé, prospérité et tout ce que vous voulez. Ce sont les voeux que nous vous souhaitons au début de cette nouvelle année 2019. Et voilà, c'est avec joie que nous nous introduisons chez vous. Valère Dubien, Arnaud Dubien et Raphaël Dubien, ils sont tous là. Et voilà, c'est la joie sur ce plateau. Merci à vous de nous recevoir chez vous. Et ça aussi, c'est bien. Yeah! Valère Dubien. Raphaël Dubien. Alors, bonsoir, bonjour, bonsoir. Bonjour, et bonsoir. Heureuse année. Heureuse année. Heureuse année. Heureuse année. Heureuse année. Heureuse année. Ambiance. Voilà, voilà, ambiance. Voilà. Naturellement. Oui. Naturellement. Raphaël Dubien. Rocky Dubien. Heureuse année. Heureuse année. Heureuse année. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Valère Dubien. Raphaël Dubien. Nous nous retrouvons. Oui. N'est-ce pas? N'est-ce pas, oui. Bien sûr, ça, nous sommes encore là. Voilà. Après un an, devant vous, nos chers amis téléspectateurs du Grand Journal du Bien, et nous n'avons pas démarré cette émission sans vous dire d'abord merci pour tout ce que vous avez fait pour l'année passée, puisque vous avez été fidèles pour votre, sur notre émission. Nous vous disons merci. Et nous allons dire aussi merci à Dieu, puisqu'il nous a permis d'être encore devant vous. Merci à Dieu. Et nous vous demandons aussi pardon. Oui, pardon si volontairement ou involontairement nous vous avons offensé. Nous vous demandons pardon. Parce que c'est une nouvelle année, on ne peut pas rentrer dans une nouvelle année avec des déchets, c'est-à-dire des péchés. Si on ne le sait pas, pardonnez-nous. Dieu nous en épargne. Merci beaucoup. Donc voilà, si tout ça là est accepté, nous allons vous dire merci encore une fois et que tout ça là sera bien naturellement. Rappelez de bien. Oui, merci Seigneur, comme l'a dit Valère tout à l'heure, de nous garder jusqu'à l'heure où nous sommes. Et nous en profitons pour saluer les amis téléspectateurs en leur formulant nos voeux de bonnes et heureuses années. Succès, prospérité et surtout la santé. Et c'est ça, ce qui sera naturellement. Voilà, c'est ça, ce qui sera naturellement bien. Et nous allons souhaiter également nos meilleurs voeux
à notre grand réalisateur, le réalisateur de cette émission. Notre Manitou. Le grand Manitou, voilà Arnaud Tovico Dubien. Nous lui souhaitons véritablement le meilleur, tout simplement. Et je crois qu'il sera pétillant de forme pour chaque fois nous... pour chaque fois réaliser cette émission. Exactement. Voilà, et beaucoup de succès cette année. Je crois que la porte du bonheur vous est pleinement et grandement ouverte. Voilà, Arnaud Dubien, merci à vous, merci pour tout ce que vous faites pour cette émission, le Grand Journal Dubien. Et les téléspectateurs, se joignant à nous sur ce plateau, nous vous disons tout simplement merci. Et nous allons également dire merci à la diffusion. Ah oui. Valeur du bien. Oui, bien sûr, oui, naturellement. Sans qui on ne pourra pas nous voir. Bien sûr. Nous allons dire merci à Abraham Boudouré et toute son équipe. Voilà, le champion. Oui, oui, bien sûr. Merci. 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 Également, n'oublions pas Richard. Richard bien sûr, Dubien. Oui, toute son équipe, Richard voilà, Dubien. Voilà, voilà, je crois que c'est le moment de les nommer. Voilà, hein. Bien sûr, oui. Richard Dubien. Christian. Tito. Voilà, Tito, oui. voilà, Tito. Franck Azalou, voilà. Jean-Vielette. Koudous, Bissiriou, tout cela. Et n'oublions pas, lui qui est devant nous là, oui, qui bien manipule sûr. Les caméras. Bien sûr, François Tossou, Nyonmoutier. Voilà, naturellement. Voilà. Merci à vous, merci véritablement à vous. Vous avez fait du bon travail en 2018 et nous voici encore de plein pied en 2019. Ouais. Nous allons faire le chemin ensemble pour vous dire que nous sommes encore là, chers amis téléspectateurs. Et comme Valère Dubien l'a dit tout à l'heure, vous étiez là, vous nous avez soutenus à travers des prières. À travers des propositions de sujets, à travers. C'est tellement nombreux que nous sommes heureux de vous dire aujourd'hui merci, merci et continuez toujours à nous soutenir puisque nous en avons véritablement besoin. Voilà, et merci à vous. Voilà Dubien, Raphaël Dubien. Nous allons également remercier quelqu'un. La tête de la tête. La tête de la tête. Yes. L'os de la tête. Oui. Voilà. Et vous le savez bien. Ah oui. Alors dites-le. Big Soumanou. Voilà. Oui. Big Ismaël Soumanou. Voilà. Ouais. Le grand. Le grand penseur. Ouais. Le grand, je dirais. Visionnaire. Le grand visionnaire. Oui. Visionnaire. Celui qui anticipe bien avant tout. Ah oui, bien sûr. Qui sait déjà ce qui va se passer demain. Bien sûr. Naturellement. Oui. Voilà, nous disons véritablement merci. Merci de nous avoir acceptés. Merci pour tous les conseils que vous nous prodiguez chaque fois que nous finissons de faire cette émission. Merci à vous. Je pense que mes collègues et moi, et ensemble, nous vous souhaitons une santé de fer inoxydable, puisque vous pétillez de forme, une santé de fer et du bonheur à toute votre famille. Et nous disons tout simplement merci à vous. Merci et continuez toujours ce soutien dont nous avons véritablement besoin. Et nous sommes là pour vous accompagner. Comme nous l'avons toujours dit, nous sommes là pour vous accompagner. Et voilà ce qui est naturellement bien. Alors, Valeur du Bien. Valeur du Bien. Nous avons oublié la rédaction. La oui, rédaction. Oui, mais avant la rédaction, oui, la famille du PDG. Naturellement. Ah, oui. Allez-y. Nous n'allons pas oublier la grande dame. Puisqu'il représente la tête. La grande dame, on ne peut jamais oublier la grande dame. Ebele. Ebele. Madame Ebele Soumanou. Voilà. Merci aussi pour le soutien, puisque si la maison n'est pas bien gardée, n'est pas bien glacée, je crois que dehors sera chaud. Donc, il fera chaud à golf. Nous disons vraiment merci à madame, à tous les enfants. Hein. Voilà. Et à Junior, tous ceux qui l'entourent, Junior, Barak, tout le reste. Et la jolie princesse. Oui, non, ne dis pas son nom. Naturellement. Son nom. On garde le nom. Merci beaucoup et à tout le moment. Oui.
Voilà. Oui. Puisque c'est dit que derrière un grand homme se cache une femme robuste. Voilà, brave. Voilà, oui. Naturellement. C'est vous qui avez raison, c'est vous qui avez véritablement raison. Je crois, nous allons remercier Rachidi Ojo, le rédacteur en chef de la rédaction Golf TV Africa. Et sans oublier la tête, bien sûr, Charbel Ayou, notre directeur. Le directeur de la télévision. Télé, bien sûr. Et nous allons également remercier Modeste Aniwanou. Bien sûr, le directeur. Et toute la crème de la maison, vous qui constituez les têtes pensantes de cette maison, nous vous disons véritablement merci. Alors, je crois, Valère Dubien, Raphaël Dubien, je crois, les civilités d'usage ainsi faites, je vais vous laisser la parole pour vous, pour souhaiter les bonnes choses à ceux qui vous sont véritablement chers en quelques minutes. Ok, merci, Roch Dubien. Je salue M. Thomas Godwi, Madame Hueto Sylvie, Aladja Elegbede Ganiat et son mari, la Sissi Djelili. Sans oublier Akala Ibrahim, Parfait Kosoko et son épouse. À vous tous, heureuses années, meilleurs vœux, santé, prospérité, succès et pleinement le bonheur dans cette année 2019. Merci beaucoup, Raphaël Dubien. Valar Dubien. Roch Dubien. Et vous? Oui, je vais quand même dire merci. D'abord, toujours merci. Je commence toujours par là. Merci et pardon. Oui. Et je profite de ça pour dire meilleurs vœux à tous ceux qui sont chers pour moi. En particulier, ma famille. Et mes amis, mes collègues. Et tous ceux que je côtoie tous les jours. Je vous dis meilleurs vœux et que cette année 2019 nous apporte rien que de meilleur. Et quant à moi, Valère Dubien, Raphaël Dubien, je vais d'abord dire merci à Dieu l'Éternel Tout-Puissant. Je voudrais aussi dire merci à mon épouse, puisque c'est grâce à elle que je me lève tous les matins pour être à golf et faire ce que je dois faire. Merci à ma maman, ma chère maman, ma maman Yvette Oumpé. Je voudrais également dire merci à M. Gérard Bossou, à M. Eric Etiha, à un monsieur qui nous voit, qui nous suit toujours depuis le Septentrion. Il s'appelle Cora Siro Noël, il est à Natitengou, c'est un adjudant-chef à la retraite. Je voudrais également dire merci à M. Émile Aïssotodé et toute la famille Aïssotodé. C'est un colonel à la retraite. Je crois, merci à chacun de vous, merci pour les soutiens, merci pour les conseils et continuez toujours à prier pour nous, puisque nous avons véritablement besoin de ça pour réussir la mission qui nous est assignée. Et voilà ce qui est bien. Alors, nous avons fini de présenter les vœux. Nous avons fini de remercier tous ceux qui nous sont chers. Nous allons à présent échanger avec nos chers amis téléspectateurs. Et nous allons commencer par vous, Valère Dubien. Cette année, l'année 2018 écoulée, nous a fait vivre un certain nombre de choses dans la ville, dans le pays, dans notre village, naturellement. Et vous, qu'est-ce qui vous a particulièrement touché? Et qu'est-ce que vous avez, quels sont les conseils que vous avez à prodiguer à ce secteur, un secteur de ce village qui vous intéresse véritablement? Qu'est-ce que vous avez à dire? Merci, Roch Dubien. Je crois que nous avons beaucoup à dire. Parce qu'un an, il y a beaucoup de choses qui se passent. Naturellement. Mais je crois que la grande partie de ce qui se passe provient de nos comportements, naturellement. Et
si nous devons réussir cette année, il faut forcément que nous fassions un regard sur nos quotidiens, nos comportements. Et puisque le journal du bien travaille avec la population, avec la ville, c'est-à-dire nous passons dans le village. C'est une émission destinée à la population. Merci. Voilà. Donc nous rencontrons des choses, nous avons rencontré beaucoup de choses. Par exemple, des gens qui travaillent et qui vous voient, vous venez pour une prestation, on vous laisse. On garde son portable. Vous voulez parler de l'administration bien sûr, de ce village. De ce village, naturellement. Vous allez dans les bureaux, où vous voulez solliciter une prestation. Même sur la voie, même si quelqu'un qui vend crédit au bord de la voie, par exemple, voilà. Tu vas lui dire, je vais acheter crédit. C'est en ce moment que lui doit d'abord faire son WhatsApp, finir d'abord de naviguer avant de te recevoir. Tout ça, c'est bien. C'est bien, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais je vous dis, vivre en société, ça s'apprend. Puisque nous avons reçu chacun de nous différentes sortes d'éducation. À la maison, nos parents nous ont appris à faire certaines choses. Mais quand on se retrouve en société, c'est totalement autre chose qu'on rencontre. Et il faut ajouter, bien sûr, à ce que tes parents t'ont appris. L'éducation de tes parents, que tu as reçu de tes parents, celle de la société. Parce que vivre en société, ça s'apprend. Voilà. Et l'humeur, c'est-à-dire quand tu quittes la maison et ton mari ou ta femme t'énerve, quand tu viens au boulot, tu casses ça devant le portail de ton service et tu finis ton travail. Au retour, tu reprends ça et tu mets ça dans ton sac et tu pars. En définitive, vous voulez dire quoi? En définitive, voilà. Laissez vos soucis à la maison, vos soucis au portail et travaillez bien pour la nation. Voilà ce que moi je veux pour cette année 2019. Voilà. Merci. Alors, et pour ajouter à ce que vous venez de dire, oui, on dit bien. Le travail, seul le travail peut développer ce village. Bien sûr. Si nous ne travaillons pas et que nous voulons revendiquer nos droits, et nous oublions nos devoirs, nous ne contribuons pas au développement de ce village. Naturellement. Voilà, et c'est vous qui avez véritablement raison. Merci. Raphaël Dubien. Obdilbien. Vous, en quelques minutes. Oui, moi, le secteur qui m'intéresse le plus, c'est le secteur environnemental. Oui. Je Très important. Tout simplement demander à nos chers concitoyens ou à tous les Béninois, à tous les villageois. Oui, de ce village. Les habitants de ce village. Voilà, ouais. Le village a un nom. Le village a. Oya, naturellement. Tous les habitants de ce village. Oya. Que l'environnement, l'entretien, la propreté de l'environnement est primordial. Cotonou, Parakou, Djougou, Kandi, en tout cas, tout le pays. En 2018, nous avons fait le tour, mais nous avons constaté de l'insalubrité totale. Cette année 2019, oui. Je vous demande de faire en sorte que l'environnement soit vivable, oui. Sain, oui. Et propre à vivre. Naturellement. Naturellement, wow. Et c'est ça, ce qui sera bien pour la santé voilà. Humaine. Voilà, et pour corroborer ce que vous venez de dire, Raphaël Dubien vous demande d'être propre. Propre à la maison, propre en ville, propre dans les bureaux, propre. Dans l'esprit. Voilà, dans l'esprit aussi, naturellement. Voilà. Et je crois que c'est vous qui avez raison. Hein. Vous avez pleinement raison. Et tout ce que vous venez de dire, je crois que ce n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Et moi, je vais ajouter. Et je voudrais également demander aux politiciens. Les politiciens là, s'il vous plaît, 2019, nous sommes en période électorale. Valet du bien. Oui. Raphaël Dubien, vous oui. Le savez bien. Oui. Oui. Nous sommes en période électorale.
Vous nous avez trop trompés. Menti parler. Vous nous avez trop menti. Menti parler. Vous nous avez trop menti. Vous nous avez trop trompés. Maintenant là, s'il vous plaît, dites un peu la vérité à ce peuple. Dites la vérité à ce peuple. Ce n'est pas en pleurant, en gémissant, que nous allons trouver le bonheur. Vous savez de quoi je parle? Oui, hein. Vous savez où je vais? Ce n'est pas en pleurant là, ou en vous promenant dans les marchés ou n'importe quoi là, que nous allons trouver le bonheur. Le peuple veut quoi? Le pain et la paix, tout simplement. Donc, nous vous prions, nous, c'est-à-dire le grand journal du bien, vous demande de dire la vérité. Voilà ce que je veux dire. Oui, voilà. Bonne arrivée. C'est ça. Vous avez tout dit. Voilà. 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 Donc, je crois que nous avons fait notre incursion fracassante dans les maisons. Et c'est le moment de nous retirer tranquillement. Cool. Et laisser les gens manger ou bien faire ce qu'ils ont à faire. Et cesser de bavarder. Parlez du bien. Oui. Vous avez quelque chose à ajouter? Non. Pour clôturer. Juste dire que c'est bon. Qu'est-ce qui est bon? Menti. Non, menti. Non, menti, c'est bon. Non, non. Se promener. Ah. Pleurer. Ah. Oui. Dis, je vous aime. Après avoir saccagé les fonds. J'ai pas dit ça. Non, non, moi, mais je n'ai rien dit. Oui, oui, personne n'a dit ça. Bon, Valère du, et Raphaël du bien. Du bien. Vous? Oui. Tout est dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Tout est dit. Que, quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Tout est dit, non? Donc, il n'y a plus rien à dire. Voilà. Prenez ce que vous voulez dedans. À la prochaine. Dites seulement la vérité. C'est tout. Et dès que vous allez nous dire la vérité là. Hey, on va vous applaudir. Et cessez de pleurer. Voilà. Voilà, mesdames, messieurs, c'est un plaisir d'être resté en votre compagnie. C'est le premier numéro de cette émission, Le Grand Journal du Bien, cette émission que vous aimez naturellement bien. Et je vous l'ai dit à l'entame, le bien que l'on fait, le ciel le rend. Et le bien que l'on garde, la terre le prend. Donc, tout simplement, vous demandez de faire toujours le bien, de partager, de regarder le grand journal du bien pour vous faire du bien et faire du bien autour de vous. Partagez ce que vous avez, donnez avec le cœur, avec votre cœur, ce que vous avez et le ciel vous le rendra au centuple. Alors, Valère du bien, Raphaël du bien, on quitte bien. Nous allons clôturer cette émission. Naturellement. Mais en attendant, nous allons dire à nos chers amis téléspectateurs que Le Grand Journal du Bien a connu une petite modification compte tenu du changement au niveau de la grille des programmes de Gulf TV Africa. Et désormais, Le Grand Journal du Bien sera diffusé les lundis à partir de 21h, les mercredis à partir de 21h et les samedis à 20h30. Donc, je vous dis, vous pouvez suivre Le Grand Journal du Bien désormais, les lundis à 21h, les mercredis également à 21h et les samedis à partir de 20h30. Pépépé. Voilà. Et ça, c'est bien. Voilà du bien. Voilà du bien. Nous avons commencé par quoi? Par la danse. Par la danse. Oui. Et nous allons clôturer par Arnaud du bien.